Voilà, c'était ça. Alt Enter. Merci. Voilà. C'est bon, problème réglé. Je me disais bien aussi. Oh là là. Bon. Donc on est toujours, je le rappelle. On est toujours, je le rappelle, sur l'ordinateur de Karen. Attendez, je vais bouger la caméra plutôt là. Voilà. On est toujours sur l'ordinateur de Karen. Donc on va voir un petit peu. Donc on avait rajouté. Ah oui, vous vous souvenez ces images-là? C'était Manet, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on avait aussi une théorie comme quoi, vous savez, ça parlait beaucoup en fait de tout ce qui était prince charmant, princesse. Il y avait pas mal d'allégories, notamment à Blanche-Neige, la Belle au Bois Dormant, Tracassin. Il y avait aussi tout ce qui était le prince, le prof, dormeur simplet. On ne sait pas encore qui c'était exactement. Enfin bref, il y avait pas mal de petits mystères comme ça qu'on n'avait pas réussi à élucider. Je ne sais plus parler. À élucider. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver ensemble aujourd'hui ce qui ne va pas. Et donc on va retourner dans la base de données. Donc on avait tapé Barry, qui était donc le, il me semble, le beau-père de Ava. Donc maintenant, je suis un peu. Je vais juste réfléchir à ce que je vais taper dans la barre. Ah, je pense que je vais mettre bombe. Donc là, je les ai déjà regardés. Bon, c'est déjà fait. Suicide. Non. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Ah oui, Star. Voilà. Star, c'est le nom de la petite que David a eue avec Ava. Donc là, on est le 5-11 et là, le 22-11. Donc le 22-11, je sais plus ce qui se passait le 22-11. Qu'est-ce qui se passait le 22-11? Ça, c'est marrant, je l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté. Donc le 5-11-2018, on en est là. 5, 5, 5, 5. Ah putain, c'est loin. 5-11-2018. C'est là. Alors, on va regarder ça ensemble. Hey. How you doing? How's it going? Good, yeah. Nice weather, huh? It's gorgeous, huh? That's a cute baby, what's her name? Her name is Star. Star? Oh wow, hey Star, it's a nice name. It's a really beautiful baby. Hey, do you mind not? Ouais. David, I told you Ava, to stay away. Ava, I just wanted to see her, okay? No, you don't get to see her. Listen to me, this is a public place, okay? I can get away before I call the police. I wanna help you, okay? Okay. Officer? Please, Ava, come on. Officer, this man is bothering us. Okay. Please. Aïe. Pas marrant. Pas marrant cette situation. Pas marrant cette situation. Donc ici, on a donc David qui essaye de voir Star. Hein. À ce moment-là, il boite effectivement déjà. Donc en termes de chronologie, de toute façon, c'était déjà bâché parce que en termes de chronologie, lui, il s'est fait tirer dessus par la cam girl le 24 juillet 2018. Et là, on est en novembre. On est en novembre. Donc oui, il boite déjà. Et par contre... Sorry. I don't have much time. Ça... Il se passe un truc là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, c'est Karen, hein. Et elle est avec un gars. Donc là, on a Karen, qui fait quelque chose, je sais pas quoi. Regarde son téléphone. To my children, Albert. Ouais, ça, on a déjà vu, c'était le jour du suicide. Alors, donc, quelque chose. Oups, pardon, excusez-moi avec le son là. C'est parce que moi, je l'avais très fort. Quelque chose qui me gêne, c'est que là, Karen, elle est vraiment. Comment ça, succès déverrouillé, vous êtes un vampire.
Salut, hello, hello, hello. D'ailleurs, je viens d'y penser, il y aurait peut-être des vidéos qui sont en raccord avec l'URL des photos. Je sais pas si on peut dire ça. Je crois qu'on avait déjà essayé. On avait déjà essayé, mais ça n'avait pas fonctionné. Est-ce qu'on sait pourquoi Ava est fâchée? Parce que David, en fait, faisait partie du FBI et il lui a menti. Il lui a pas dit qu'il faisait partie du FBI et elle l'a découvert seule. Et lui, il a continué aussi à faire des actions alors que elle disait que voilà, il fallait un peu se calmer, etc., etc. Donc voilà. Je vais essayer de chercher. Ouais, effectivement, peut-être mort. Oula, ça fait beaucoup de vidéos. 2018, on va plutôt faire celle de 2017. Je suis pas sûre qu'elle va beaucoup m'intéresser. Là, on va vraiment avancer. Donc 3-10-2018, on serait plutôt du coup 3-10-2018, on serait. Je vais regarder celle-ci. Donc ça, c'est Alba. They put a special bed in her room. And look, I still have my glow worms. Me, 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 me. Okay. She's my favorite present. I never put her down. Me, me, me. Okay, donc ça c'est la grand-mère qui va mourir. C'est qui lui? Oh là! Ouh là là! Je pense qu'elle parle à son père du coup. The doctor told me a funny joke. Et le docteur visiblement. What time do you go to the dentist? Oui, effectivement, elle a la même luciole que Ava. Hein. Elle a la même luciole que Ava. C'est vrai. Elle est très choupinette. Tu devrais chercher Alba, ce serait intéressant. Ouais, on avait déjà, j'avais déjà regardé Alba. J'avais déjà regardé. Et ici, donc le 18 février 18, donc le 18 février 18, la vidéo dure 6 minutes. Ah oui. Donc en fait, il y a beaucoup de moments où David raconte des histoires qui ont parfois des rapports ou pas avec sa vie ou des choses comme ça. The old man yells at him again because he's furious they got his clothes wet, and he screams at him and runs off into the woods. And then another week passes, and the girls are in the woods collecting firewood this time, and all of a sudden they're surprised because that old man jumps out of the bush again, and he's screaming, help, help, he says, this bear, he's trying to kill me, this bear's trying to kill me. And je vais essayer de regarder, je sais plus si j'avais déjà regardé FBI, je crois que oui, hein. Ouais, j'avais déjà regardé FBI. Ça, c'est déjà regardé. On va voir si la mamie est morte. Ouais. 17, 17, 17, 17. Bon, alors là, du coup, 5, 5, 11, 2017. Mais ça m'intéresse pas énormément. Hey, where's Mama and Mima? Okay, listen. Don't tell mommy about daddy's missing tooth. Okay, I want to tell her myself. Nice. No, no, it's not a lie, it's a secret. Okay, which is different. Ça c'était quand? Le 5/11/2017. Tiens, tiens, tiens. Ça c'est rigolo parce que la veille, c'est le jour où Ava et David se sont retrouvés.
en bas de l'immeuble. Mais ils sont restés ensemble, quoi. Une bagarre fraîche, il s'est blessé. Ouais, tout le temps, il se bat, lui, MDR. Ouais, j'avoue, la fête des temps va passer. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le 3-11-17. Alba is so happy to have her meet. Ouais, bon là, je pense qu'on apprend que... Donc là, c'est Emma qui est en train de parler avec son mari. David, she's a grown woman. I'm not gonna... Et qui lui dit, bon, ma mère va crever, quoi. Toute seule au Texas. Hein ? Tu n'as aucune raison de... Ouais, donc en fait, c'est bien ce que je pensais. Il y a peut-être un truc avec le... Je vais écrire Doc plus Emma. Je pense qu'en fait, elle sort avec le docteur ou un truc comme ça. Mais bon, ça n'a pas une grande importance. 3-11-17. 3-11... Hein, c'est le même jour que ça, tiens. J'avais déjà noté plein de trucs ce jour-là. Il y a eu plein de vidéos le 3-11-17. Emma... Intriguant. Oui, en fait, David avait aussi tué l'ex de sa femme. Ça n'a aucun sens, je vous jure, cette histoire. Cette histoire, c'est n'importe quoi. Le 30-10-2017. Bon, ouais, est-ce qu'on veut vraiment regarder ça? Et le 15-15-8-2017. Here I come. Right, say goodnight to Daddy. Daddy can sleep with us, can't he? All right. Close your eyes. There you go. Twinkle, twinkle, little star. Ah, pourquoi elle l'appelle star aussi? Ah. Faut savoir lire sur les livres, sur les lèvres. Pas mal de drama. Bon là, elles s'endorment, tout le monde s'endort. C'est un peu creepy de regarder les gens dormir, vous trouvez pas? Vous trouvez pas que c'est un peu chelou de regarder les gens dormir? Bon, ok. Alors, soit mamie, qu'est-ce qui m'intéressait aussi? Non, attends, je vais plutôt taper ça. Alors, le 29-3, ça j'ai déjà regardé, 14-3-18. Donc, je tapais un peu comme ça, on va voir. C'est totalement stressant, mais ouais, de ouf. 14-3-18, ok. Donc, le 14-3-18. So sorry. Donc là, il parle à sa femme. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ok, bon, là on sait pas, il parle pas, donc c'est à mon avis sa femme qui est en train de lui parler. Oh, il se passe rien du tout, hein. Un mauvais quoi? Un mauvais mariage? Ah, oups, un mauvais mariage. Écoutez-moi. Emma, I'm not gonna be able to make this funeral. Ah, ok. Donc à ce moment-là, la grand-mère est morte, hein. C'est ça qu'on peut comprendre. Directement, donc la grand-mère est morte malheureusement, donc à partir de ça on sait. Bonsoir Harley Quinn.
Là, il dit, cette mission est vraiment trop tendue. Ok, ouais, on peut parler. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Emma, ok, bon. Donc là, du coup, je vais mettre enterrement. Ah non, il n'y a pas d'autres vidéos sur enterrement. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Quelque chose qui pourrait vraiment me faire avancer dans le jeu et me le faire terminer surtout. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Qu'est-ce qu'il y a? Ben moi, c'est un peu ça qui me dérange. Moi, c'est Karen. On ne sait rien sur elle. Karen, on ne sait rien du tout sur elle. C'est un peu frustrant en fait. J'avais déjà tapé Manet, j'avais déjà visionné nanani nanana, Tom, explosion, attaque. Et si j'écris vivant? Non. Tableau peut-être. Non. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour terminer le jeu? Bah justement, on ne sait pas. C'est bien ça qui est frustrant. Le nom des Disney. J'avais... Ah oui, on peut faire Blanche-Neige, on peut essayer. Même si je crois que je l'avais déjà fait. Alors, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas vues. Donc, celle-ci, je ne vais pas la regarder parce que c'est la réponse à celle-là. Et puis après, c'est que 2017. Donc, après, je peux regarder le 18-8-2017. Hey buddy. Yeah, I'm just hanging out, waiting for you. You're running late, huh? Okay, you don't say. Traffic. Yeah, right. Nah, sure, I'm getting hungry, man. En fait, j'ai l'impression qu'il montre des choses supplémentaires que quand on a regardé pas mal de de vidéos. Eh, merci pour le sub. Merci Panda d'avoir pris ton troisième mois. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc en fait, le nain, il y a cette personne, mais on ne sait pas qui c'est. Et Blanche-Neige, on en avait conclu que c'était Ava. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore rencontré Ava. Il la rencontre un mois plus tard. Donc là, il l'espionnait. Ouais. Donc c'était ça. Oh là là, c'est flippant. À quel point ils savent tout. C'est flippant de ouf, hein. Ouh. Bon, on sait déjà que Blanche-Neige, c'était Ava, mais ça, je crois que je l'avais déjà noté. Bon bah ça c'est l'autre partie de la vidéo tout à l'heure. Ça c'est l'autre partie de la vidéo tout à l'heure, vous savez. Donc c'est normalement, qu'est-ce que j'avais noté? On en est où? Là. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle est décédée vers 4 heures. Ok, j'ai demandé à l'infirmière de me réveiller s'il se passait quelque chose. Elle était plus vraiment elle-même cette dernière semaine. Elle sait déjà qu'on puisse la dire au revoir. Ok, on n'a pas parlé de Papo. Ah, tu sais quoi? Elle ne s'est pas convertie? Deathbed conversion. Papo? C'est qui ça? Mais tu sais, l'avoir allongée comme ça, c'est plus facile d'avoir ce qu'elle était. Prisonnière d'un mauvais mariage.
et qui a fait ce qu'elle a pu. David, je me fiche de l'enterrement. Il faut qu'on parle. La prochaine fois que tu seras là... Open your eyes. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le plaquer? Ah, elle va le plaquer, je pense. Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle cherche des trucs, Karen, et je comprends pas ce qu'elle cherche. Afficher quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait quoi, là? Ah, elle met une autre clé USB! Elle est en train de mettre une autre clé USB? C'est quoi, ça? Quoi? Hein? Quoi? Jane the Ripper? Il s'est passé trop de trucs d'un coup, là. Je vais noter ces trucs au cas où. RTNANSA.DB 65 flux vidéo. Convertir et chiffrer et mettre en ligne. Convertir et mettre les fichiers en toute sécurité. Oui. Donc là, c'est toutes les vidéos qu'on a vues. Qu'on met en ligne. Donc c'est comme si on leakait quelque chose. Mais ça ne m'avance pas dans mon affaire. Je ne sais toujours pas ce que je dois... Je ne sais toujours pas ce qui... Je ne sais pas. Vous n'allez pas me dire que le jeu est fini, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux savoir, en fait, l'intrigue du jeu. J'arrive pas... Depuis le début, j'ai pas encore compris exactement ce qu'on cherchait. Qui était Karen On sait pas, en fait. Je trouve ça hyper frustrant comme jeu, parce que t'es là, tu joues et on sait pas ce qui se passe, quoi. On n'en sait rien. Ouais, mais elle sauvegarde pour faire quoi? Non, là, elle le met en ligne parce qu'elle l'a déjà... Ouais, peut-être qu'elle le met sur un cloud parce qu'elle l'a déjà sur son ordi, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, pour sûr, en gros... c'est à nous de regarder un certain nombre de vidéos, et en fait je pense que dans l'algorithme du jeu, au bout d'un certain nombre de vidéos regardées, même si tu les as pas toutes vues, parce que je les ai pas toutes vues, elle lance la cinématique comme ça, en fait, elle lance la suite de l'histoire. Il y a trop de personnages, on dirait une série, bah c'est le but, hein. Non, je pense pas que ça soit déjà la fin, parce qu'il y a trop de choses qu'on sait pas. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, je peux rien faire tant que toute la mise en ligne n'a pas été faite. Et on sait pas qui est Papo, mais je pense que simplement, ça devait être le mari de sa mère, soit son père, soit juste le mari de sa mère, le deuxième mari de sa mère, et que voilà, ça s'est pas forcément bien passé. Je pense qu'il faut pas non plus chercher plus loin. À mon avis, c'était ça. À mon avis, c'était lui, Papo. I guess. Je pense, hein, vraiment. Ça ressemble à un surnom de papy, tu vois, c'est un peu... Mise en ligne terminée. Et là, elle se fait quoi? Elle s'en va? Elle prend l'ordi. Oh, elle détruit l'ordi! Qu'est-ce qu'elle fout? Non! What? Mais c'était l'outil principal de ce jeu! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ok, bon là on est plus dans l'ordi, on est dans la vie réelle là. Ça commence à devenir intéressant. Quoi? Quoi?
Attendez. C'est le début du jeu ou c'est la fin? Mais c'est le début? Ou c'est la fin? Je suis perdue. Ah, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est une blague. Non, c'est pas possible. Non. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est une blague? Mais quoi? C'est quoi ce jeu? I never watched the video David made. And I didn't attend the inquiry. I like to pretend that the bomb erased him in the past and in the present. It'll take a while for me to figure out how a real relationship works. But in the meantime, I keep busy. Make a name for myself as a journalist for the Detroit Free Press. When I'm 37, I'll move in with a school teacher named Jaden, who was born on the same day as me. The star never stops being special. Je pense pas qu'il y ait plusieurs fins. Je suis grave déçue. Quand je vois combien j'ai claqué dans ce jeu, je suis hyper déçue. C'est quoi ce bordel? Genre ça n'a aucun sens. C'était quoi l'histoire? Enfin franchement, désolée, mais c'est vraiment pas ouf comme jeu quoi. Il y a vraiment plusieurs fins ou pas les amis? Vous êtes sûr qu'il y a vraiment plusieurs fins ou pas? Selon sur qui tu t'es concentré dans la vie dans les vidéos, en gros le jeu estime que tu t'es focus sur la nana. Ok, d'accord. Mais c'est d'une blague. C'est toujours la même fin, juste pas la même cinématique. Ok. Ouais, là vraiment, I'm shook. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. C'est choquant. Choquant. C'est n'importe quoi. T'as une cinématique pour la cam girl, une cinématique pour l'ex du gars. Ah, ok. Bon. Ça se passe de commentaires, non? Franchement, les amis, je suis... vraiment hyper déçu, genre vraiment hyper déçu. Si j'avais su vraiment, j'aurais pas continué sur ce jeu en fait. C'est nimp, non? Sans déconner. Du coup, je comprends que dalle. Enfin, pour moi, il y a aucun sens à ce jeu. Ce jeu n'a aucun sens. Ce jeu, c'est juste découvrir des histoires, découvrir une histoire à travers des vidéos. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je suis grave déçue. Bon bah mes notes. Qu'est-ce qu'on fait de mes notes? Hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des notes pour rien. Donc on les brûle? On en fait quoi? On les brûle? Ah non, mais vraiment, là, je suis mais énervée. Ah, je suis dans un état de colère. Vous avez pas idée, franchement, tellement ça me saoule. Je suis choquée. Ah ouais, là, je suis vraiment choquée, quoi. Bon, bah, quel jeu de merde. Bon, bah, très bien. Écoutez. Salut à tous. Oula, j'ai mis la vidéo sur comment changer la... Bref, choquée et déçue. Surtout qu'en plus, c'est samedi, donc samedi, c'est le jour des let's play, normalement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? I don't know. Ah bah, c'est super. Ah bah, super.
Ah, c'est vraiment nul. Bon, ouais, je vais envoyer une note à l'éditeur. J'ai envoyé mes notes à l'éditeur avec un avis. Alors voilà, votre jeu était pourri. Vraiment de la merde. J'ai pas du tout aimé. Catastrophe. Alors, bon, heureusement, il y a d'autres jeux dans la vie. Il y a d'autres jeux qui existent. Hein. Il y a d'autres trucs. Mais j'étais en train de me dire, non, on va pas faire du Animal Crossing. Merci, mes baby dolls, pour ton 3e mois consécutif et ton 4e mois de sub. Merci beaucoup. Ouais, moi, je trouve qu'en fait, le jeu, clairement, n'a pas été assez long. Genre, vraiment pas. Je trouve que le jeu a été même extrêmement court. Franchement, hyper déçu, quoi. Hyper déçu. Après, je me dis... Ouais, même pas...